Te voilà bien installé. Magnifique. Prépare-toi et ouvre grand tes schtroumpfs. L'amusement va commencer. Laissez-moi vous conter une nouvelle épopée. Celle de la verte pierre et de son étrange prisonnier. Mais avant tout, accueillons celui qui se profile à l'horizon. Notre héros, le Schtroumpf bricoleur, et sa nouvelle invention. Pour préparer au village de superbes festivités, notre inventeur de génie a créé une machine à goûter. Grâce au Schtroumpfomix, cuisiner sera un jeu d'enfant. En un tour de Schtroumpf, voilà un gâteau impressionnant. Succulente sucrerie pour appétit exigeant, et même celui du Schtroumpf gourmand. Or, le Schtroumpfomix a besoin de retouches. Il n'en sort pas de gâteau, mais des amuse-bouches. Le Schtroumpf bricoleur se faufile dans le laboratoire. Et dans le dos du grand Schtroumpf, consulte son grimoire. À son problème, il trouve subitement une solution. Une pierre verte capable de toute création. Mais qu'à Schtroumpf, l'objet tant désiré s'est envolé. La verte pierre serait-elle chez le plus affreux des sorciers? À la dérobée, le Schtroumpf bricoleur et quelques amis voyagent promptement vers la masure ennemie. Nos pauvres Schtroumpfs ignorent encore ce qui va se produire. Tenez-vous-le pour dit, le danger est à venir. Mais quelle idée de Schtroumpf est ici? Je le dirai au grand Schtroumpf. Rien n'est obligé à nous espionner et surtout à nous suivre, Schtroumpf à lunettes. Oh, arrêtez de vous chamailler! Allez, vite, séparons-nous et Schtroumpfons la pierre bonne verte. Oh, j'espère qu'on en trouvera plein, miam! Mais Schtroumpf Beta! Grâce à cette nouvelle acquisition, la pierre philosophale n'aura plus de secret pour moi. Ah, je vois une lueur verte à droite. Je pose juste la question, qui a invité le Schtroumpf Beta? Ah oui, c'est vrai ça! Qui c'est qui m'a invité? Personne. C'est bien ça le problème. Il a dû nous suivre en cachette, n'est-ce pas, Schtroumpf Beta? En cachette? Ah non, j'ai pas pensé à schtroumpfer de cachette pour mettre les pommes vertes! Petit coup de marteau et ça devrait suffire. Oh mince, j'ai peut-être schtroumpfé un peu fort. Quand le grand Schtroumpf sera au courant que vous êtes venu ici, je... Schtroumpf à lunettes, arrête d'être un bas Schtroumpf. Eh, hey, regardez, j'ai trouvé une pomme, mais elle est pas verte, ça ira. Les amis, je crois qu'il y a un problème. Ah, enfin de la lumière. Je schtroumpfais rien du tout pour chercher les pommes vertes. C'est quoi tout ce tintamarre en bas? Encore des rats que tu n'as pas chassés, Azrael. Schtroumpf bricoleur, vite, il faut partir tout de suite. Ouais, regardez un feu d'artifice. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon petit Schtroumpf, c'était donc vous, Azrael. Attrape-les! Oh, salut
Tais-toi. On est des Schtroumpfs. Arrête tes bêtises, Schtroumpfetta. Viens. Imbécile. Je suis jamais mauvais. Non, non, non. Reviens. Nom d'un Schtroumpf. Qu'est-ce que c'était? Oh, oh, malheur. C'est la fin. Misérable petite vermine bleue, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Mais j'ai... Oh, désolé, c'est si grave que ça en a l'air? Bien sûr. J'utilisais cette pierre verte en alchimie et j'ai expérimenté des choses très surprenantes. J'ai séparé la matière d'un objet et je l'ai recomposé juste après. J'ai même transformé une fleur en une sorte de flaque visqueuse inconnue. Mais à quoi bon partager mon précieux savoir avec une bande d'ignares? Ah bah super, c'est rassurant tout ça. Attends, ça veut dire que tu savais que cette créature était à l'intérieur? Mais non! Pauvres imbéciles! C'est bien pour ça que je présage le pire, si elle a les mêmes pouvoirs que la pierre. Ah, c'est dommage, elle n'a pas eu le temps de se schtroumpfer. Si l'on en croit les vieilles légendes, les créatures qui schtroumpfent d'objets magiques sont rarement amicales. Je suis d'accord avec Tempête, il faut demander l'avis du grand schtroumpf au plus vite. Oh non, non, imaginez le savon qu'il va me schtroumpfer s'il est au courant de tout ça. On va quand même pas livrer tous les schtroumpfs sur un plateau à Gargamel. Ça m'est bien égal pour une fois. La situation m'inquiète tellement que vous êtes le cadet de mes soucis. Si le grand schtroumpf était là, il nous schtroumpferait quoi faire? J'ai peut-être une idée pour réparer notre... Enfin, mon erreur. Nous pourrions nous allier. Nous allier? Ouais, super! On va tous devenir amis. Hors de question! Gargamel, tu es un grand alchimiste, non? Tu dois bien pouvoir schtroumpfer quelque chose pour t'occuper de cette créature. Pendant que moi, je mettrai tout mon savoir-faire à améliorer le schtroumpfomix. Quoi? Pourquoi vous me schtroumpfez tous comme ça? Vous avez une meilleure idée? Pas vraiment, non. Mais j'avoue que ça ne m'enchante guère. Si la créature a pu sortir de la pierre, alors elle peut re-rentrer dedans. Mais si elle aime pas être dedans, faudrait quand même lui demander. Pour le moment, il faut la retrouver et essayer d'avoir un premier contact amical avec elle. Elle s'est téléportée grâce à ce portail. Vous devriez pouvoir la suivre. Moi, je suis trop grand pour passer. T'as la trouille, oui? Tiens, prends-en de la graine. Là-bas, le village. Surtout pas un mot aux autres. Gargamel pourrait m'entendre. Allô, Tempête? Tu nous reçois? 5 sur Schtroumpf. Le blabla Schtroumpf est parfaitement opérationnel. Et le passage dans le portail, c'était comment? Schtroumpfant. Je vous rappelle si je vois quoi que ce soit d'étrange. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ici, il faut que je sorte. Ah, je devrais pouvoir me soigner avec cette fleur. Allô, la masure? Des sortes de cristaux ont poussé un peu partout dans la forêt. Des cristaux? Comme ma pierre verte? Non, pas vraiment. Ils sont de la même couleur, mais beaucoup plus gros. Il y a aussi des sortes de flaques noires à leur base.
nous a parlé d'une fleur qui se schtroumpfe en flaque visqueuse, n'est-ce pas? Oui, une de mes expériences avec la pierre verte. Si vous n'étiez pas venu jouer des troubles-fêtes, j'aurais pu l'étudier. Eh ben, au travail, qu'est-ce que t'attends? Notre permission? Au travail, si je veux d'abord. Ah, si je trouve, je l'y ai. La pierre verte semble réagir à cette chose. Peut-être que je pourrais l'utiliser pour améliorer le Schtroumpfomix. Superbe trouvaille. Je peux utiliser mon arc. Alors toi, je sais pas qui tu es, mais tu m'as l'air dangereux. Voyons voir ce que t'as dans le ventre. Nouvelle fleur. Je me sens à nouveau en pleine forme. Terminé. Hip.
Où sont les suivantes? Hop! Où sont les suivantes? Je reconnais ce chemin. Le moulin du Schtroumpf Meunier est tout prêt. Allô? Je suis au moulin du Schtroumpf Meunier, les amis. J'espère que mon Schtroumpf au pain n'a pas été détruit. C'est une machine de mon invention qui transforme la farine en délicieux petit pain. Pourquoi je suis cette rêve? Une de moins. Où sont les suivants?
Hop! Je ne l'ai aperçu que de loin. Heureusement qu'on ne fait que t'entendre avec le blabla schtroumpf. Imagine si on voyait ce que tu fais. Gargamel aurait vite fait de noter l'emplacement du village. Et voilà, trêve finie. Vous m'avez appelé ? Besoin de mon génial cerveau ? Non, non, tout va bien. Bon, je te laisse. Fais bien attention à toi. Il doit y avoir un portail spécial dans le coin.
fin du spectacle. Hop. Il doit y avoir un portail spécial dans le coin. Les Schtroumpfs. Ici aussi, il y a plein de portails. Mais impossible de savoir où ils mènent. T'as qu'à jouer à Schtroumpf, c'est pas que je trouverai. Bonne idée, Schtroumpf Bêta. Espérons que l'un d'eux me ramènera vers vous.
Allô ? Vous me schtroumpfez ? J'aperçois un cabanon en très mauvais état. Son toit est tout abîmé. Sois prudente. Peut-être que des humains sont à l'intérieur. Un cabanon avec un toit abîmé perdu dans la forêt ? Aucun doute, c'est celui du père Fourchotte, le fermier chez qui je vais chercher mes citrouilles pour la fête du samin. Moi, je schtroumpf la soupe à la citrouille. Miam. Tu parles. Ces citrouilles sont toutes moisies et tout ce qu'il sait faire, c'est grogner et râler. Ça me rappelle quelqu'un, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu insinues, le binoclard ? Hé, hey, c'est pas le moment de se prendre la schtroumpf. Je vais m'approcher du cabanon. On verra bien.
Le chemin est ouvert. J'entends des bruits. Il y a quelqu'un ici, c'est sûr. Méfie-toi! Le père Fourchette est susceptible. Il n'aime pas qu'on pénètre chez lui sans prévenir. La dernière fois que je suis passé à l'improviste, j'ai pris une volée de pommes de terre. Le chemin est ouvert. C'est quoi ça encore? Ça a pas l'air si maléfique pour le coup. Allô, Schtroumpf bricoleur? Je suis face à une sorte de fleur qui a l'air de coller. Ah oui? Peut-être que ce sont d'autres Schtroumpferies liées au passage de la créature. Essaie de l'aspirer avec le Schtroumpfomix. Au pire, elle sera détruite grâce aux fragments de pierre verte dans l'appareil. Thank you.
Le chemin est ouvert. Dans la poche. Ouvert. Thank you.
Superbe trouvaille. Le chemin est ouvert. Je suis prête à en découdre. Hip. Hip. Allez, du balai. Nettoyage terminé. Hop. Oh, il faut que je sorte de là. Le chemin est ouvert. Hip. Hop. Ah, une nouvelle substance à récolter. Je suis prête à en découdre. Essayons d'utiliser cette substance pour ouvrir le passage. Ça va peut-être m'aider avec celle que je croise ici. Figure-toi qu'on l'a retrouvée par terre. Elle a traversé la table, laissant un gros trou à sa place. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Gargamel a trouvé une solution semblable à celle du Schtroumpfomix. Il a aspergé la flaque et elle a disparu. Il pense que cette substance visqueuse se nourrit de matière vivante. Mais on ne sait pas encore pourquoi. Continuez les recherches. Moi, il ne reste plus qu'à détruire toutes ces flaques que je croiserai.
Le portail de défi est là. Je devrais pouvoir utiliser la dernière substance obtenue pour continuer. On dirait que la grange est abandonnée.
Je suis dans le cabanon, les amis. Personne. Personne ? Aucune trace du fermier ? Non. On dirait qu'il est parti en laissant tout en place. Bizarre. Ce satané père Fourchotte n'abandonnerait jamais ses précieuses récoltes. Mon petit doigt me dit que c'est encore à cause de cette créature, n'est-ce pas ? Si elle s'attaque aussi aux humains, c'est pas bon du tout. Super, je peux passer.
Je vais bien, les amis. Mais le sol s'est écroulé sous mes pieds. Je viens de faire une sacrée descente. Tu vois quoi autour de toi? Il y a une rivière et des nénuphars. Je pourrais les utiliser pour me déplacer sur l'eau. L'air est humide ici.